Monsieur le Président Miramont, la trêve hivernale se rapproche. Les objectifs fixés en début de saison pour Aramitz, au vu de vos résultats présents, sont-ils réalisables ? Oui, tout à fait. Bon, parce qu'actuellement, on est premier avec 5 points d'avance sur le second qui est Barcus. Et on a subi une seule défaite donc à Barcus il y a 3 semaines. Un club ne peut survivre sans une aide financière et sans le bénévolat. Votre club, à ces deux points de vue, est-il privilégié ou souffrez-vous de manque de moyens ? Manque de moyens, je serai le premier à être content des moyens que l'on a parce qu'il en manque toujours. Et bon, où il y a un point très positif, c'est que j'ai autour de moi une équipe de bénévoles qui s'adonne toute l'année parce que pour nous, il n'y a pas de trêve pour ramasser le maximum de deniers pour le club. Un pronostic pour le match d'aujourd'hui vous opposant à la Reims ? Eh bien, aujourd'hui c'est un match contre la Reims, une rencontre derby, puisque c'est deux vallées qui se rencontrent. Et bon, j'espère bien gagner, confirmer le résultat du match aller aujourd'hui et en plus avec la manière. Et je compte sur eux. Merci beaucoup, Monsieur le Président Miramont. Monsieur Lapeyre, vous êtes vice-président et responsable de l'école de rugby du club d'Aramitz. Mais vous avez aussi créé l'association Tous pour un, certainement une référence aux Trois Mousquetaires, sachant que l'on est à Aramitz. Oui, cette association a été créée pour animer la fête des bergers, et c'est l'association de 8 associations du village, et comme le mousquetaire Aramitz, la devise des un pour tous pour un, c'est le mot qui a été choisi, donc tous pour cette fête des bergers, et tous pour ce village et pour cette vallée de Varétous. Voilà. Au club d'Aramitz, vous bénéficiez de bénévoles très actifs et très imaginatifs aussi. Quelles sont les différentes manifestations que vous orchestrez ? Mais il y a beaucoup d'associations, c'est vrai qu'on est, parce qu'on parle village d'Aramitz, mais aussi il y a une vallée qui regroupe 6 villages, qui s'appelle la vallée de Varétous, où on est très riche en bénévoles. Je vois rien qu'uniquement pour la fête des bergers, on doit posséder pratiquement 300 bénévoles pour travailler le jour de la fête, et c'est vraiment du bénévolat à 100%. Et ensuite on crée beaucoup d'animations, le rugby est une des pièces maîtresses du canton, parce que c'est toute l'année, mais il y a plein d'animations, ça peut être au niveau du troisième âge, au niveau des enfants, au niveau des adultes, c'est très animé, et vraiment, on possède une richesse que peut-être, on nous jalouse peut-être un petit peu ailleurs, mais c'est vrai que c'est ce qu'on a, on se donne et on se le gagne, quoi. C'est vraiment cette volonté. Par exemple, on a eu le week-end dernier le Téléthon, où on a voulu... Au-delà de l'argent récolté, c'était surtout créer une animation dans tout le canton, dans tous les villages. Il s'est fait une animation avec un fil rouge qui était le vélo qui tournait dans tout le canton. Ça s'est très très bien passé. Il y a eu 30 heures pratiquement non-stop dans tout le village. Et ça, ça prend de plus en plus. Contrairement un petit peu à ce qu'on voit où tout se perd, où tout a tendance à lâcher un peu tout. Ici, c'est un petit peu le contraire. On a tendance à se réunir. D'ailleurs, au niveau des municipalités aussi, elles sont mises en district. Donc on a tendance à vouloir se regrouper, à travailler, mais chacun garde son identité, que ce soit au niveau des associations, que ce soit au niveau des villages, et on arrive à quelque chose de très fort, quoi. Et c'est une animation quasi permanente, on trouve quelque chose pratiquement quotidiennement, quoi. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le vice-président Lapeyre, et longue vie aux associations.
Oui, c'est le but qu'on souhaite, nous aussi, parce que les associations, c'est très important dans ces villages qui ont tendance à, je dirais, même le mot n'est pas trop fort, à crever. Bon, mais ici, on veut retarder le maximum. Et au contraire, un petit peu faire l'appel des villes qui viennent un petit peu nous voir, parce qu'il y a des choses à apprécier encore chez nous. Encore merci, monsieur Lapeyre. Salut. Allez, on a 20 minutes. Hein. Parce qu'on sort à la fin, hein. Bon, on va pas essayer de jouer à ce que vous avez dit. Voilà, bon. Qui c'est qui n'est pas là à juger? Il est là. Il est là? Ouais, ouais. Capitaine, si tu veux. Et devant, il faut de suite mettre la pression. Hein. De suite, il ne faut pas qu'on s'emmerde. La troisième ligne, on la connaît, verte. Et on sait que le gars, s'il a l'occasion de jouer quelques ballons, il nous mettra le feu. Il faut à tout prix les empêcher de jouer. Ça veut dire pression en mêlée, on avance en mêlée, à touche, on mange toutes les balles. Et dans les regroupements, on est les premiers. D'accord ? On fait un gros match, un petit bloc, etc. Hein. Troisième ligne. Thierry, hein. Pensez, si dans les regroupements on progresse, etc., il y en a un ou deux qui se décrochent pour aller en soutien avec les 3K. C'est pas la peine de rester. Hein. Il est un peu loin de la pointe. De la ligne de On va pas faire un mot. Le 8 est bon, il couvre du terrain. Le 8 il part, il faut le faire. Si je le fais, c'est pour le second centre. Ouais, voilà, voilà. Ça fait, ça, il est où? Ok, quand il se fait une deuxième passe sur 3, on monte pas sur le 8. On monte pas sur le 8. On le prend. Quand il donne le ballon, on revient à lui. Jimmy, sinon, en défense, tu penses à te repasser derrière. Ou on joue de suite, on est disponible. On fait le Thierry ou on carrément pas, alors que c'est pas si longtemps. Ouais. Du jeu. Regarde, attention Jimmy. Mais il faut dynamiser avec, avec du monde. Hein. On dynamise pas tout seul avec 25 kilos. D'accord. Tu as vite le voir. 100 000 ans. Il y a 3 heures. Oui. Il faut régler, on règle le problème de la baisse en 20 minutes. En 20 minutes, ça va être réglé. Du feu partout, des tampons, de la pression partout, et c'est réglé. On prend le coup d'envoi, là. On gagne le ballon à la descente. Hein. On le tape bien comme il faut et on l'a. Je vais vous montrer.
Viens. Passe à ce foutre match en projet. D'accord. Après, tu n'es pas plus à payer. Je ne suis pas sérieux. Ça compte par cul. Attention, une chaleur. Déjà une première minute. Hein. Il faut faire le coup de base, de la pression, de la... On n'a pas fait souffrir ce pack, hein. Après, on va commencer à faire au bord. Juste un peu, hein. Allez, on décontracte, on va chercher. Allez. Et surtout en défense, hein, on va... À la balle. Voilà, allez. On commande pression, allez. Voilà. Allez, on saucisse, allez, on plaque, hein. Ballon derrière de foot. Pression, pression dans l'axe. Allez, dans l'axe, on se replace. Voilà. Bien, Dominique, bien. Voilà, c'est bon, c'est bon. Attention, ce ballon, on se couche pour le coup. Bien, Patrick. Allez, tu joues autour. Allez, tu pars. Tu pars, on vient avec toi. Allez, ça tombe pas, ça, hein. André, on le repousse chez lui, hein. On repousse le mec chez lui, on l'attend, c'est pas bon. On va aller le chercher, le mec. Là, c'est quelqu'un. Voilà. On va pas aller chercher, on les attend. Attention, l'armée, hein. C'est toi qui vois. Voilà, là c'est bon. Allez, là, là, bon. Là on se replace. On se replace. Allez, on déroule. Allez, allez, allez. Voilà, Dominique, voilà. Voilà, c'est bon. Allez, on se replace. On se relève. On relève. Là, c'est impeccable. On se relève. Et comme ça, hein. Dominique, avance. Recule. Qu'est-ce pareil, hein. Là, c'est bon, là. Allez, on lève deux fois et après, c'est bon. On y est? Arabic! Ouais, impeccable. On lâche doucement sur les cuisses. Les cuisses, pas le dos. Hein. Tout dans sa main, on descend. Voilà, allez, une deuxième. Arabic! Ok, c'est bon, on se relève. On descend. Allez, Thierry, on part après. Oui, qui va chez eux d'entrée. Le ballon, on commence, hein. Patrick! Il joue chez eux, tu vois. Et Patrick? Il y a le Patrick ou le. On le voit. Patrick! C'est pas parti en travers, c'est.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Vous
pour monter un zoo là. Oh putain! Thank you.
Regardez les conditions. Il parle de ballon. Que le talonneur, il talonne même pas avant. Il a arrêté les secondes de ligne. C'est bon. Ouais. Allez, 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 allez
Allez, allez. Mieux encore. Allez, vas-y. Monsieur Sautou, vous êtes le trésorier du club d'Aramitz. Vous occupez donc une place importante, voire prépondérante, au sein du club d'Aramitz. Entre nous, quelles sont les tâches qui vous incombent ? De nombreuses tâches, mais que je tiens à partager tout d'abord avec Jean-Pierre Carrère, qui fait cette tâche avec moi, et tout un ensemble d'équipes de dirigeants, une trentaine environ, qui s'occupent elles aussi de faire rentrer les fameux sous qui sont de plus en plus rares. Et ces sous sont destinés ensuite donc aux différents niveaux, tout d'abord à l'école de rugby, financement des déplacements, un petit peu des repas pour eux, ensuite les cadets, juniors, réserve et équipe senior, ça fait 120 joueurs, donc entre les maillots, les lavages, les pharmacies, tout cela fait monter le budget à environ 250 000 francs, et donc budget qu'il faut trouver toute l'année, c'est parfois difficile, c'est vrai. Trésorier, vous êtes aussi le demi-mêlée de l'équipe B. Vous avez donc un pied dans la théorie et un autre dans la pratique. Bref, vous êtes très complet. On essaie d'être complet, mais c'est plus plaisant d'être demi-mêlée ou en tout cas joueur de l'équipe même réserve. Hein. C'est un plaisir. Je suis souvent au centre. Le demi-mêlée aujourd'hui n'était pas là. C'est un grand plaisir de jouer, que ça puisse durer le plus longtemps. Moi, c'est mon seul désir. Maintenant, c'est vrai que la théorie, bon, il en faut aussi pour faire en sorte qu'il y ait des joueurs sur le terrain. Il faut toute une organisation derrière qui est très invisible, mais qui est le travail laborieux de beaucoup de dirigeants, comme je disais tout à l'heure. Et c'est beaucoup plus facile d'être sur le terrain qu'en dehors, je dois dire. Hein. Je vous remercie beaucoup, monsieur Sautou. Merci à vous. Monsieur Deloul, co-président, vous êtes aussi l'entraîneur de l'équipe 2 d'Aramitz. Celle-ci occupe actuellement la première place de son championnat. Une grande satisfaction pour vous, bien sûr, mais aussi la preuve éclatante du bon fonctionnement du club. Oui, c'est sûr. Oui. Bon, aujourd'hui, on jouait la première place contre la Reims, qui était devant nous. Bon, on a fait ce qu'il fallait pour gagner. Bon, je suis très content de mes troupes. Bon, il y a un très bon esprit en réserve. Bon, on espère qu'on va continuer comme ça. Bon, ça fait 3-4 ans qu'en réserve, on tourne pas mal. On a fait 4 finales en 4 ans, quoi. On a eu 2 fois le titre et bon, j'espère que cette année ça va revenir. Les 2 dernières années on a perdu en finale et j'espère que cette année on va se rattraper et aller au bout, quoi. Cet après-midi vous avez littéralement crucifié la Reims, pourtant second. Quelle est la qualité principale de votre équipe ? Bon, ben, c'est une équipe en réserve très jeune, enfin c'est moi peut-être l'un des plus vieux de l'équipe puisque je joue encore un peu, enfin j'essaye. Et bon, il y a un très bon esprit, très camarade. Bon, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de première. Bon,
Il y a un groupe unique à Ramis, je pense que c'est ça qui fait notre force. Quoi. Il y a des types qui jouent en réserve qui sont capables de jouer en première et, bon, et vice-versa. Quoi. Il n'y a pas de clan, c'est ça qui fait un peu notre force à Ramis. Quoi. C'est très important. Quoi. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Deloul, et bonne chance, j'espère, pour la finale cette merci année. Monsieur Larocco, à la veille de la trêve hivernale, vous occupez la première place de votre poule et vous n'avez concédé qu'une seule défaite. La trêve ne va-t-elle pas vous couper dans votre élan ? Ben oui, c'est un gros problème pour Aramis, parce que c'est vrai que bon, on a de très bons résultats jusqu'à maintenant. Il va y avoir une trêve de 3 semaines avec les fêtes. Donc c'est vrai que les gars vont être démobilisés, bon, parce que c'est vrai qu'il faut en profiter pour s'amuser. Puis comme il y a de bons résultats, on n'a peut-être pas besoin de trop se forcer. Quoi. Ben, on va essayer de préparer le début d'année en essayant de pas trop de faire des choses intéressantes à l'entraînement et puis pour trouver aussi des matchs intéressants. Bon, ce qu'il y a de bien quand même, c'est qu'on ne rattaque que le 12 janvier, donc on aura un week-end avant pour préparer. On recevra en plus la Gore qui est dernier de la poule, donc on essaiera de bien le préparer. Je pense que normalement l'entame devrait être convenable. Aujourd'hui vous affrontiez la Reims. Quelles sont les remarques que vous inspire cette rencontre ? Ben, les remarques, c'est qu'on est encore, on a beau être premier de la poule, on est encore assez fragile psychologiquement. On a peut-être mésestimé l'adversaire. Ça fait que la première mi-temps a été très très dure. La Reims a très bien joué pendant 35 minutes. Bon, heureusement, après, bon, c'est sûr qu'on a fait un travail de sape. On a pu remettre un peu la machine en marche. Ça fait que on a réussi à renverser, puis bon, à creuser un écart. Mais c'est vrai que c'est je suis un peu déçu de la prestation de première mi-temps. Maintenant, ce qui est bien, c'est que ça prépare un match difficile à Mendy dimanche, qui est une équipe accrocheuse, qui est allée gagner à l'extérieur aujourd'hui, à Barcus, qui était le second. Mais ça va être bien pour les gars de voir qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour être vraiment prêt à jouer les demi-finales et les finales si on se qualifie. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Larocco. Le fait que la troisième ligne reste désormais fixée au PAC, est-ce pour vous un avantage ou un inconvénient ? Ça peut être les deux, ça dépend si l'on attaque ou si l'on défend. Si l'on défend, c'est sûr que c'est un inconvénient parce qu'on gêne moins le 10, on arrive plus en retard que d'habitude, que les autres années passées. Et en attaque, notre ligne d'attaque, le 3 quarts, ça permet de franchir la ligne d'avantage et nous d'arriver plus vite en soutien. Aujourd'hui, on vous a vu plusieurs fois pénétrer après relais dans la défense de la Reims. Vous aviez alors toujours un soutien. Est-ce la méthode du PAC d'agir de la sorte ? Disons que ça serait la méthode qu'il faudrait faire. Quoi. Si on se base sur le jeu, par exemple, de Toulouse, c'est ce qu'il faut en permanence. Nous, on essaye de faire beaucoup de jeux en mouvement. C'est ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Quoi. Si on s'isole, ça ne sert plus à rien. Donc, c'est ce qu'il faut faire, c'est tout. Pouvez-vous nous exposer les grandes lignes de votre carrière de rugbyman ? Bien, moi, j'ai commencé le rugby bon, tout petit, dès qu'on peut. J'ai fait Poussin, Mini, Benjamin, Cadet, Junior. J'ai fait une année en National B à Oloron. Après, j'étais parti dans un club à seconde division faire une année. Je suis reparti à Oloron faire 3 ou 4 ans. Je suis venu ici faire 3 ans. Après, je suis reparti dans un autre club de seconde division faire un an, et là je reviens à Ramis pour finir ma carrière. Mes parents habitent la vallée, j'avais dit que je finirais à Ramis. Moi, je vais faire ça. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes le capitaine de l'équipe 2 d'Aramis, mais comme l'a souligné votre entraîneur, il n'y a pas de clivage équipe première, équipe 2. L'équipe 2 est composée de jeunes joueurs. Pour vous, cette équipe est-elle le vivier du club ? L'équipe réserve. Il est vrai que nous sommes assez jeunes, ce peut être le vivier de l'équipe première, mais il faut savoir que l'équipe junior d'Aramis Barcus marche assez bien en ce moment et donc peut avoir de bons résultats. Et ce peut être aussi le vivier du club. Le fait d'avoir créé une équipe cadet l'année dernière aussi montre que le club veut faire beaucoup dans la formation des jeunes. Et donc pour l'équipe première, ça peut être un gros avantage.
Vous êtes actuellement classé premier de votre poule. Ce fait bien agréable ne vous met-il pas la pression? Disons que nous sommes premiers ce soir. La Reims était premier jusqu'à présent. Ils étaient invaincus. Bon, ils sont arrivés avec 13 joueurs. Nous n'avons pas eu trop de problèmes, d'après ce que j'ai compris, pour les gagner. Et donc, c'est vrai que c'est assez intéressant d'être premier, mais ça ne nous met pas la pression. Disons que nous avons cette seconde phase de championnat risque de nous apporter quelques éléments de la première, du fait qu'on va tourner. Et donc, on est bien parti pour finir dans les quatre premiers pour aller en phase finale. Je vous remercie. L'entame de match de la part d'Aramitz fut difficile. Cependant, vous avez réagi à l'occasion d'une mêlée où tout le pack d'Aramitz est entré dans le match. Cette réaction a-t-elle été préparée ou bien a-t-elle été tout simplement spontanée? Non, je crois qu'elle a été spontanée. Je pense qu'on a pris le match un peu à la légère. Contre les équipes soi-disant un peu plus faibles que nous, on joue souvent moins bien. Puis on s'est ressaisi, heureusement. L'écart se creuse peu à peu avec Barcus, qui est pour l'instant second. Est-ce que vous avez l'impression que vous survolez votre championnat? Non, j'ai pas l'impression qu'on survole le championnat, mais disons que l'objectif de la saison, c'est la montée. Et j'espère qu'on va y arriver. Le principal, ce serait de terminer premier pour essayer de tomber contre le quatrième pour avoir des demi-finales un peu plus faciles. Et étant donné que les deux finalistes montent, espérons qu'on y sera, quoi, en finale. Vous êtes dans une poule où il y a énormément de derby. Est-ce que ce n'est pas fatigant, nerveusement? Nerveusement, je ne sais pas, mais c'est un peu difficile parce qu'on tombe souvent contre des gars qu'on connaît bien. Ça fait 3 saisons maintenant qu'on est à ce niveau, qu'on rencontre les mêmes équipes. C'est pour ça qu'on aimerait bien monter pour changer un peu. Mais ça doit être quand même motivant parce que pendant les derbies, il y a beaucoup de public et qui fait en général beaucoup de bruit. Oui, c'est motivant, surtout tout le monde a un peu son petit orgueil. Et comme on se connaît plus ou moins, on aimerait bien gagner chacun au moins le match à domicile. Je vous remercie beaucoup et bonne chance pour le prochain derby. Merci. Monsieur Trey, demi de mêlée, vous êtes aussi entraîneur des lignes arrières de cette équipe d'Aramitz. Cette double casquette semble idéale.
Oui, c'est sûr que bon, ça fait toujours plaisir de revenir à son poste de prédilection parce que je suis un demi-mêlée de formation. Et passer au demi d'ouverture pour ne pas me mettre en concurrence avec le demi de mêlée parce que c'est un bon joueur aussi. Alors bon, il a fallu que je m'adapte en jouant demi d'ouverture. Mais ça faisait quand même plaisir aujourd'hui de rejouer un peu demi de mêlée. Bon, il y a eu un peu de tout, mais bon, disons que ça faisait plaisir. Oui. Quelle est l'opinion du joueur et celle de l'entraîneur sur ce match? Ben, disons qu'on va commencer par l'opinion du joueur. Moi, personnellement, j'ai pris un énorme plaisir donc, à rejouer demi de mêlée. Et avoir le volume de jeu qu'on a produit aujourd'hui, ça fait énormément plaisir, quoi. Maintenant, pour ce qui est de l'opinion de l'entraîneur, c'est sûr que bon, il y a beaucoup de fautes, il y a des en avant, il y a des imperfections au niveau des prises de balle derrière, devant. Tout le monde veut jouer à la baballe, on oublie un peu les fondamentaux. Mais bon, c'est sûr que heureusement qu'il y a ça, parce que sinon les entraîneurs, qu'est-ce qu'on ferait le mercredi et le vendredi, quoi. La nuance entre vos deux rôles est parfois difficile à appréhender pour certains entraîneurs. Est-ce que vous parvenez à le faire? Mais disons que oui, c'est difficile d'être joueur-entraîneur. Moi, on m'avait fait très très peur à l'intersaison parce qu'on m'avait dit « Oui, méfie-toi, tu vas être joueur-entraîneur. Bon, déjà, tu es sur le terrain, tu dois être sans reproche. Il faut surtout donner l'exemple, tout ça. » C'est vrai que ça m'avait fait un peu peur. Mais après, quand on est sur le terrain, on voit que c'est aussi bien d'être joueur-entraîneur parce que sur le banc, moi, il me semble que bon, dimanche dernier, j'étais sur le banc avec l'entraîneur, donc, et il me semblait que j'étais impuissant. Je ne pouvais que donner des conseils et faire des critiques, mais on ne peut pas, comme quand on est sur le terrain, apporter ce petit truc qui fait que bon, l'équipe tourne, quoi. Et alors, justement, au niveau des sensations, c'est quand on est qu'entraîneur, il me semble, c'est qu'on ne retient que les mauvaises choses. Je veux dire, bon, on fait des en avant, on se met hors jeu, on fait des fautes, on ne retient que les mauvaises choses. Par contre, quand on est joueur-entraîneur, eh bien, on retient les deux. On éprouve beaucoup de plaisir dans les bons moments et on retient quand même les fautes de ses partenaires et les siennes. Donc, moi, je pense que c'est très important même d'être joueur-entraîneur. Et c'est ce qui me convient, quoi. Plus d'objectivité, alors? Ben oui, plus d'objectivité. Et, disons que après, ça permet d'essayer de mettre tout le monde sur le bon rail. Maintenant, c'est pas évident parce que même d'être joueur entraîneur, bon, on fait des fautes comme tous les coéquipiers. Donc. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Trey. Demi d'ouverture très vif et inventif, vous avez aplati le premier essai du match. Ce premier essai a finalement sonné le glas pour la Reims, qui, à partir de ce moment, a vu ses espoirs s'effondrer complètement. Oui. Mais je crois que l'essai que j'ai aplati en premier, c'était l'aboutissement d'un bon enchaînement. C'est vrai qu'on avait fait une entame de match assez laborieuse, mais avec des coups de pied manqués, une équipe de la Reims accrocheuse aussi qui venait et qui n'avait rien à perdre ici. Donc bon, ils étaient venus là pour faire un résultat. Bon, on a très mal commencé. C'est vrai que cet essai a été un petit peu, au moins la remise au point, quant au tableau d'affichage au moins, on est revenu à 7 partout et puis bon là, on a repris confiance un petit peu, quoi. Aramid, c'est une équipe très joueuse. Difficile de mettre en application les enchaînements vus pendant les entraînements, durant les matchs? C'est-à-dire, bon, le premier essai, justement, est une application de ce qu'on fait à l'entraînement. Par contre, au point de vue combine, on en a beaucoup. En plus, à l'entraînement, on ne travaille pas toujours avec les mêmes personnes. Par exemple, moi, j'ai joué 10 ce match-là avec un 9 qui n'était pas le même aujourd'hui. Bon, c'est difficile de tout allier à la fois. En plus, bon, les combines, on les fait par rapport à où on se trouve sur le terrain. C'est vrai que c'est pas évident, quoi. Bon, et puis en plus, comme je vous dis, on en a beaucoup. Il y en a certaines qui font allier les trois quarts et les arrières. Bon, aujourd'hui, on est tombé sur une équipe accrocheuse, en plus, qui défendait beaucoup, qui n'a fait que défendre. Et puis en plus, bon, en deuxième main, on aurait pu jouer de bons ballons. Là, sans pratiquer de combine, mais bon, il y avait toujours quelqu'un à l'affût pour faire une tapette ou pour faire en avant de l'anti-jeu, quoi. Bon, ce qui fait que, bon, c'est vrai que c'est pas facile, non. Voilà. Merci beaucoup et félicitations pour votre essai. Merci. Le terrain lourd a souvent favorisé les en avant. En théorie, difficile de jouer dans ces conditions. Cependant, cela n'a pas semblé vous handicaper car vous avez développé toujours et encore votre jeu habituel. Oui, nous travaillons beaucoup le jeu aéré, de faire vivre le ballon au maximum. Malgré les conditions météorologiques, nous essayons quand même de développer ce jeu-là. Et aujourd'hui, ça s'est pas trop mal passé malgré l'état du terrain. Trois quarts centre, vous avez évolué à un niveau beaucoup plus élevé.
Quelles sont les raisons de votre signature à Aramitz? Au départ, un retour aux sources, puisque j'ai débuté dans ce club d'Aramitz. Et des retrouvailles avec beaucoup de camarades, ainsi que mon frère, qui était déjà dans ce club-là. Et peut-être un peu aussi de déception par rapport au niveau au-dessus, où on n'arrivait pas à développer un jeu comme on peut développer à Aramitz. Satisfait de l'ambiance et du comportement de vos coéquipiers? Tout à fait, d'abord par rapport aux résultats, parce que nous sommes premiers actuellement, nous développons un jeu agréable et une ambiance fantastique. Je vous remercie et bonne troisième mi-temps. Merci. Arrière, vous n'avez pas été énormément sollicité durant cette rencontre. Difficile d'être arrière dans ces conditions quand en plus il fait froid? Non, aujourd'hui la météo n'est pas la cause. C'est qu'aujourd'hui on est tombé sur une équipe qui a bien défendu derrière et on n'a pas su les contourner. Il aurait fallu jouer peut-être davantage de ballons en deuxième main. En première main, c'était assez difficile de passer. Il défendait bien à chaque fois. Moi, j'avais le deuxième centre qui défendait sur moi, donc c'était difficile de passer, quoi. Il aurait fallu varier un peu plus le jeu et faire surtout des ballons en deuxième main. Et là, on aurait eu le terrain un peu plus dégagé. Ça aurait été plus facile pour nous, quoi. Le jeu développé par Aramitz se plaît beaucoup. Ce jeu est-il imposé par les entraîneurs ou bien l'équipe a-t-elle, de façon spontanée, produit ce jeu qui est finalement rapide? Oui, c'est l'équipe, c'est pas les entraîneurs. Nous sommes une bonne ligne de trois quarts, nous aimons bien jouer au ballon. On essaye de faire plaisir aussi au public qui vient nous voir et on prend nous aussi du plaisir à jouer et on essaye tant que ça marche et puis on continue comme ça, quoi. C'est l'esprit des trois mousquetaires à Aramitz? Les trois mousquetaires, je sais pas, mais... Non, c'est pas les mousquetaires, c'est la ligne trois quarts qui aime jouer et puis les avants aussi se prêtent à notre jeu, ils aiment bien jouer au ballon aussi et nous avons des avants qui courent beaucoup, qui sont assez dynamiques et puis tout le monde s'y retrouve et on prend du plaisir comme ça. Je vous remercie.